Donc une parcelle proche de l'exploitation ici, 4-5 années de prairies, donc il y a eu destruction, semis de blé derrière, et derrière ce blé-là était semé en direct un colza fourragé, et ce colza fourragé-là a été associé avec du trèfle violet, puisque bon, le trèfle violet c'était une semence de ferme, donc bon, ce qui nous permettait de prendre un peu de risque. Et donc ce colza trèfle a été pâturé. Suite au pâturage, donc il y avait un petit peu de, on va dire, des plantes indésirables, chénopodes et autres. Donc un passage de tondeuse de refus. Et suite à ce passage de tondeuse de refus, là, donc semis en direct de la prairie. Et là, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut observer, donc on a eu la chance d'avoir 30 mm d'eau juste derrière le semis de la prairie. Ce qu'on peut observer là, c'est que donc on a une parcelle où il y a le trèfle violet qui est en place, les résidus de plantes de colza, donc qui font les futurs chemins de préférence par le biais des racines pour la future prairie. Ce genre d'expérimentation, semer des prairies au 15 août, ça j'ai jamais fait. Bon, installé depuis 96 quand même, c'est le genre de choses que j'ai jamais fait. On parle aujourd'hui dans les différents groupes des décalages de date de semis sur les céréales. Donc sur les prairies, pourquoi pas. Et puis, jouer avec les facteurs qu'on peut avoir bénéfiques ou qui nous gênent. Mais là, bon, le fait, c'était quand même la pluie. Et ne pas avoir bouleversé le sol permet de laisser le trèfle en place. Et puis, derrière, avoir tous les chemins de préférence pour les futures racines de graminées et de légumineuses qui vont démarrer. Et puis, on fera des photos et on montrera la suite, quoi. En quoi, pour toi, l'animal peut aider à faire du semis direct et du bio en même temps ? Quoi l'animal peut aider à faire du semis direct et du bio en même temps ? Parce que là, ici, tu sais ce que tu as fait. Oui, là, c'est du semis direct, oui. Parce qu'en agriculture biologique, il faut quand même pas oublier que... on m'a toujours dit, quand j'ai fait ce choix-là de m'orienter vers ces systèmes-là, bon, ça fait quand même un petit peu maintenant une vingtaine d'années, on m'avait dit, de toute façon, ça ne marchera pas. Preuve que 20 ans après, notre approche a peut-être mis du temps, parce que bon, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément encore à gérer. Mais bon, ce qui me rassure, c'est qu'en conventionnel, on ne gère pas tout, on n'a pas toutes les solutions. Donc voilà, chacun fait son petit bonhomme de chemin, mais il est clair et net que le semis direct en bio, pas tout le temps, mais on peut en faire. Et sur une parcelle comme ça, par exemple, là, donc derrière une céréale où on avait quelque chose de propre, un colza se met en direct, pâturé, donc là, importance pour les animaux, pas de bouleversement de sol, pas de gasoil, pas d'heure de tracteur, pas d'outils, ce qu'on veut, canadien, et autres. Et puis, on arrive quand même derrière, en associant quelque chose qui était un risque, après, bon, vous pouvez me permettre, puisque bon, c'était une semence, le trèfle, entre autres, était une semence de ferme. Derrière ce colza, trèfle, on vient semer une prairie, là, juste un passage, c'est semé, point. On a la chance d'avoir l'eau. Et puis derrière, si on peut faire un pâturage cet automne, un sol qui n'est pas bouleversé, un sol portant, les animaux viendront dessus et puis ça le fera bien. Donc, bénéfice sur toute la ligne. Sur une même année, on peut faire deux cultures et puis profiter au maximum. Après, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas au Brésil où on a de l'eau tous les 15 jours, mais bon, après voilà, on s'adapte. Le fait d'avoir quelques petites repousses de colza, là, fourragé, je dis bien. Parce que dans le travail qu'on fait, souvent qui est fait, notamment sur les associations de différentes cultures, on a souvent une plante qu'on met qui va être un leurre pour les ravageurs. Donc là, par exemple, sur cette repousse de colza, c'est juste une repousse sur un jeton de colza, va être le leurre, et tant qu'ils sont en train de manger ça, ils ne sont pas en train de manger les futures légumineuses qui vont sortir. C'est des remarques, ça aussi, c'est de l'observation, mais bon, elles se mettent à genoux dans un champ, et puis commencer à regarder, tiens, ça, peut-être que c'est le leurre, ça. C'est peut-être des solutions aussi, mais c'est sûr que si tu regardes ça de ta fenêtre ou tu regardes ça de ton tracteur, tu n'as pas observé ces choses-là. Là, peut-être que tu vois, sur des matériels comme on a aujourd'hui qui sont assez sophistiqués, on peut faire un rang sur deux, un rang sur trois, peut-être que les problématiques qu'on a sur l'implantation des prairies et avoir des disparitions énormes de légumineuses au départ, parce que y a les prédateurs qui sont là, peut-être que c'est une solution.
Je dis bien peut-être. Mais c'est de l'observation. Ça. Et voilà. Elles sont bonnes les noisettes. Très bonnes. Ah, c'est ça les plantations, les arbres, les bocagères, ça a un avantage. Ça a que des avantages d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on dit un avantage, c'est que des avantages. Bon, si tu veux, il y a la saisonnalité. Des noisettes maintenant, ça peut être des cerises, ça peut être des prunes, ça peut être des châtaignes. C'est belle la vie.